Kidel ici est représenté. Aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est une date historique pour le Mali. Avant d'aller loin, j'aimerais demander à tout le monde de pouvoir observer un moment de silence en mémoire de toutes les victimes de la crise malienne. Les victimes maliennes, les victimes étrangères, toutes catégories confondues. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci à tous, asseyez-vous. Ces moments de silence valent aussi pour toutes les victimes, je dis bien toutes les victimes du régime du président Keïta. Quand je parle de victimes du régime du président Keïta, on peut se rappeler qu'en année 2017, ce régime a laissé mourir des centaines de Maliens faute de soins pendant 45 jours. Ce régime a décidé de laisser les hôpitaux fermés parce que eux, ils n'ont pas besoin de se soigner ici au Mali. Vous et moi, nous qui avons besoin de se soigner dans ce pays, ce n'est pas leur problème. On peut mourir ici, faute de soins, ils n'en ont pas besoin. Les jeunes qui sont ici, nos jeunes frères qui sont là, nos enfants qui sont là, savent quelles sont les difficultés qu'ils ont aujourd'hui à aller à l'école. L'école a été transformée en champ de bataille. Nous voulons dans ce pays de l'école pour tout le monde. Le président Keïta et son régime, depuis 4 ans, il y a beaucoup de localités du Mali, depuis 3 ans, où il n'y a pas d'école du tout. Les enfants de Tenankou ne vont plus à l'école depuis 4 ans. Les enfants de Koro ne vont plus à l'école. Même ici à Bamako, l'école, il ne reste plus que le nom. La santé, ce n'est pas le souci de ce régime. L'éducation, ce n'est pas le souci de ce régime. Le seul souci de ce régime, c'est comment surfacturer un avion et pouvoir voyager. Vous ne saurez jamais à combien cet avion a été acheté. Vous ne le saurez jamais. Et quand il a acheté son avion, le seul pays qu'il devait visiter, je dis bien le seul pays qu'il devait visiter et qu'il n'a pas encore visité, c'est le Mali. Il a fait le tour du monde, il n'a pas visité Bamako, il n'a pas visité Ségou, il n'a pas visité Kidal, il n'a pas visité Taoudeni et ce n'est pas son souci d'aller visiter le Mali. On a parlé de sécurité dans ce pays. Tout ce qu'on a eu, c'est d'utiliser l'armée comme moyen de vider les caisses de l'État. Tous les marchés de l'armée, sans exception, ont été surfacturés. Au lieu d'équiper l'armée, au lieu de former les militaires, nous avons eu droit qu'à des discours. Le monde paysan
le monde paysan qui a voté massivement en 2013 pour le président de la République. Ils ont eu droit à quoi comme récompense? Après avoir payé de l'argent, on leur a donné de l'engrais frélaté à la place des bons produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos paysans, au lieu de vivre de leur travail, n'ont pas à manger, sont devenus presque des mendiants. Nos commerçants détaillants, ici à Bamako et ailleurs, qui tous les matins se lèvent, avec comme seul souci gagner leur pain quotidien, ont eu droit à quoi? Les kiosques ont été cassés et on les a débarrassés. Assurez-vous, ce combat est un combat noble, est un combat utile. Nous allons arrêter uniquement lorsque, au mois de juillet prochain, nous allons gagner l'élection présidentielle. Dans ce pays, il y a une justice pour les amis, il y a une justice pour la famille, il y a une justice pour les bons criminels et il y a une justice pour les bons terroristes. Nous voulons une justice pour tout le monde, que tout le monde soit, que la justice soit pareille pour tout le monde. Nous ne pensons pas qu'il puisse exister de bons criminels ou de bons terroristes. Soit on est terroriste ou on ne l'est pas, ou on est criminel ou on ne l'est pas. Tout ça est arrivé pendant ces 4 dernières années. Quand en 2013 nous avons fait les élections, nous avons pensé qu'un Mali nouveau était devant nous, que ça n'était fini avec la crise. Aujourd'hui, après avoir signé un accord de paix, le gouvernement malien se montre incapable de mettre en œuvre cet accord de paix.